Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on va faire un truc tout con. On va recalibrer la luminosité de l'écran de votre iPhone pour être sûr qu'il affiche toujours des belles couleurs et que vous y voyez même quand il fait soleil ou quand il fait nuit avec une lampe torche. Push the tempo, 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 push the tempo. Alors les iPhones, c'est très bien, les smartphones de manière générale, mais des fois il y a des petits soucis de calibration de la luminosité, c'est-à-dire que vous allez déverrouiller votre iPhone, soit vous prenez la pleine lumière dans la gueule alors que vous venez de vous réveiller en plein milieu de la nuit pour savoir quelle heure il était, ou alors vous êtes en plein soleil et puis il fait noir et vous y voyez rien, vous voulez montrer une photo à un pote, on y voit que dalle, c'est dégueulasse, vous passez pour un con, la foule vous hue et vous partez sous l'humiliation châtiée à jamais. La solution toute conne consiste à foutre votre petite LED sur votre capteur de luminosité de l'iPhone pour le recalibrer. Ça c'est tout con, dit en trois mots, et puis la manipulation est assez débile, donc je vais vous montrer comment faire. Attention, vous êtes prêts, ça va aller super vite. Vous décochez ici le réglage automatique. S'il est sur on, vous le mettez sur off. Ensuite, vous allez venir mettre votre lumière au maximum. Vous allez venir prendre votre petite lampe et vous allez éclairer le capteur de luminosité au maximum, comme ceci, de manière à ce que l'iPhone comprenne bien qu'il fait jour. Une fois que ceci c'est fait, vous rebasculez ici en réglage automatique et au magie du direct, le petit curseur va se mettre à bouger tout seul pour s'adapter à la luminosité ambiante. Vous pouvez regarder autant que vous voulez, le petit curseur s'adapte, il descend pour s'adapter à la luminosité qu'il y a en ce moment dans la pièce. Comme vous voyez, c'est vraiment pas bien sorcier, il suffit juste de foutre sa petite lampe dessus, de manipuler un petit peu le curseur et oh magie, on se retrouve avec un iPhone recalibré. Voilà, c'était la petite astuce du jour, moi je trouve ça bien pratique parce que ça permet d'économiser de la luminosité, d'économiser de la batterie, etc., d'avoir la luminosité en automatique, et que c'est un truc qui plante assez régulièrement sur les iPhones. Moi ça m'est pas mal arrivé assez souvent, mais cette phrase ne veut rien dire. Je vous dis à très vite, c'était Locan pour Locan.fr, passez une bonne soirée, ciao! Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo.